d'arbre. Amen. Amen. Voilà, le pasteur gentil. Preach the word. Welcome at first born again. Frères et sœurs, dans le Seigneur, grâce mon Dieu avec nous. Nous remercions pasteur Jules qui est invité, venu partager l'évangile avec nous aujourd'hui. Il prend un gros risque parce que le pasteur Jules a prêché grand pile d'énergie. Elle connaît moi-même, elle m'a prêché, c'est un professeur bien rase. N'a pas féliciter le leadership de l'église là et nous tous qui apprennent pour le bon travail que nous avons fait et boy c'est là dans fidélité avec le Seigneur. Et tout à l'heure, je suis bien content d'entendre qui gens que même dans fait offrande nous voulons faire les en façon qui est honorable. Ça fait me songer que j'ai gagné un jardinier dans le campus Bolos que nous n'avons pas encore parce que bandit rentré la dernière. Mais on l'a bon Dieu fait que nous avons retourné. Mais le temps qu'on a nettoyé notre loi bien belle, gazon, et puis nous avons pour nous payer l'on l'air, et puis nous avons appris dans mes grands monde que l'on a mon corps pour mettre l'on enveloppe. Et puis il était bien content. Il dit ça c'est bon, bon bagaille parce que tout bagaille que bon Dieu ba nous, il mette l'on enveloppe. Mango albanou, il mette le nom enveloppe. Fig l'albanou, il mette le nom enveloppe. Donc nous félicitons nous pour ça. Mais non seulement nous besoin faire belle, mais nous besoin faire avec tout cœur. Nous pas voulons pour nous faire avec cœur serré. La Bible a dit, bon Dieu, remet moun qui baille avec joie, avec cœur content. Alors, dans la semaine, ça, dans l'église, nous, dans Delma, dans l'église Baptiste Béré, Delma 43, nous prêchons sous gérance chrétienne. Qui, c'est un sujet qui est bien important. Quelquefois, pasteur, il peut parler sur ça. Parce que, comme si vous avez dit, oh, c'est pas le pasteur a besoin de corps dans le mais c'est un bagage qui est important. Par exemple, nous avons mois octobre côté en pile côté c'est commencement une nouvelle année fiscale. Et là ça a besoin de gagner budget. Un budget c'est une activité stratégique qui peut aller de tracer route qui côté ouvler d'ici l'année prochaine qui côté on t'aimer arriver. L'on fait réflexion sur le budget, on finit avec un papier qui bah un chiffre combien on a besoin de dépenser et puis on a besoin prévoir combien on a besoin de recevoir. Et chiffre ça, c'est expression, une vision qui ça nous croit l'Église là supposée à régler dans la communauté. Nous tous nous connaissons l'Église supposée faire évangélisation pour les gens capables de convertir. L'Église supposée faire ministère pour les gens, pour être capables de rentrer dans la famille bon Dieu. Et en Haïti, spécialement, on a besoin d'aider fidèles. Qui a des problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes pour vous petite l'école. On a besoin de dépenser pour nous prendre soin espace ça à côté, bon Dieu, mettez-nous en. Et puis on a besoin de prévoir l'argent pour nous faire service d'adoration, pour appareil, pour énergie, pour ouvrier, pour technologie. Et puis pour nous capables de dépenser, on a besoin de rentrer l'argent. Et c'est fidèle l'Église qui supposait supporter ministère l'Église. Je dis à nous voulons partager une vérité fondamentale qui a bon pour le monde les n'a réfléchi sur la question de l'argent. C'est une vérité fondamentale pour toute reste discussion que nous sommes capables de faire sous bon gérance selon la Bible. Et vérité fondamentale, elle commence avec une vision que la Bible baille sur qui est-ce qui met toute ressource. Qui est-ce qui met toute
ressources. Et nous virons dans la Bible, dans Psaume 24. Psaume 24. Et c'est un passage que tout le monde connaît très bien, qu'on a récité. Et puis, Psaume 24, verset 1, c'est une affirmation fondamentale sur toute ressource. Il dit, bon Dieu, c'est mettre dernier bagage. Dans la Bible créole, il dit, c'est pour Seigneur, terre ensemble avec tout ça qui est sous lui ou bien qui est en dedans. C'est pour Seigneur, le monde entier, ensemble avec tout ça qui vive là-dedans. Tout le monde qui convertit avec tout ça qui est possédé, pour qui est-ce lié? Pour bon Dieu. Amen. Et tout le monde qui n'est pas même converti, est-ce qu'il est sous la terre? Et tout ça, vous possédez, toute l'argent, toute belle machine, toute belle building, pour qui est-ce lié? Pour bon Dieu. Alors, il y a des gens qui connaissent tout ça, vous gagnez, c'est pour bon Dieu. Et puis, il y a des gens qui beaucoup connaissent tout ça, vous possédez, c'est pour bon Dieu. Voilà, tu as un financier, un consultant en finance qui t'a témoigné qui était arrivé converti. Et puis, il confessait, c'est 5 ans après qu'il est fin converti que poche avec chéquier est venu converti. C'est 5 ans après conversion que il vient comprendre tout ça, le possédé, c'est pour bon Dieu. Et puis, pour lui reconnaître droit bon Dieu sous toutes ressources qu'il possède. Dans Psaume 24, psalmiste là reconnaît bon Dieu gain droit propriétaire sur toute bagaille. Et là nous joignons dans même verset ça tout li bail une explication fondamentale sur que j'en fais bon Dieu c'est propriétaire toute ressource. Comment faire ça? Et bien verset 2 là, il commence avec un petit mot en français qui introduit une explication. Il dit car. Et là, on rappelle dans la Bible, et pour car, on connaît que il introduit une explication. Il dit tout bagaille, c'est pour bon Dieu. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui t'a créé tout bagaille. Je vais nous donner 5 références d'ailleurs que nous notons dans le téléphone, dans le papier, dans la Bible. 5 bonnes références pour nous songer. Et qui est capable d'aider nous rappeler ça que psalmiste là te connaît dans Psaume 24 et que nous-mêmes nous besoin connaît dans la vie nous tout. En première référence c'est Exode chapitre 19 verset 5. Exode chapitre 19 verset 5. Il dit toute la terre c'est pour moi, c'est vrai. En anglais il dit all the earth is mine. Donc là bon Dieu regarde toute bagaille. Il dit mine. Il dit, c'est pour moi. Et si on dit l'autre bagaille lui-même, eh bien, on va correspondre à bon Dieu qui dit, toute la terre, c'est pour moi. En deuxième référence, c'est Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Et là, il dit, gardez-nous. C'est pour Seigneur à ciel-là, à tout ça qui est en haut net dans le ciel-là. C'est pour lui la terre. À tout ça qu'il a dans le nom. Yeah. Behold, to the Lord your God belong heaven and the highest heavens, the earth and all that is in it. Et elle dit, tout là, c'est 99.9%? 100%. Dans Psaume 50, verset 10 et verset 12, capable de prendre comme un seul. Référence là, il dit parce que toute bête qui n'en voit c'est pour moi yoyé, toute quantité bête qui n'en mon yo c'est pour moi yoyé tout. For every animal of the forest is mine and the cattle on 1,000 hills. Et puis dans verset 12, il dit parce que toute terre ensemble avec tout ça qu'il a dans c'est pour moi yoyé. The silver is mine and the gold is mine declares the Lord. Et ça nous joint dans Agé, chapitre 2, verset 8.
Mais 5 versets ça, l'olio, seule conclusion, c'est que bon Dieu, c'est propriétaire de toute bagaille. Et nous connaissons que c'est propriétaire parce que c'est lui-même qui t'a créé toute bagaille. Salmis l'a confessé. Si bon Dieu, c'est propriétaire, eh bien, qu'on est là, qui roule nous? Son génital, nous camp avec la jeunesse et puis on a fait enseignement sur le bagaille, ça y est, sur gérance chrétienne. Qui dit, bon Dieu, c'est propriétaire de toute bagaille. Et une question, vous dites, ok, boussou ou bien valise que mesdames ont gagné. Sous garde la donne. Tout ça que la donne, pour qui est-ce? Ok, c'est pour bon Dieu. Et puis, vous dites, ok, et que les machines, ça qui n'ont pas poche, pour qui est-ce lié? Pour bon Dieu. Et puis, il y a un inférieur qui dit, mais pasteur, prête une machine, bon Dieu. Oui, c'est machine, bon Dieu, que lié, mais bon Dieu, mettez-le sous compte moi. Et ça fait que nous venons gérants pour bon Dieu. Une expression, moi, mes services, c'est gérant économe. Nous grandissons vie avec la Bible française. Et dans la Bible française, elle parle d'un pile parabole que bon Jésus te baille sous économe fidèle, économe infidèle. Donc, nous parlons de gérance, nous, chrétiens, nous venons sans mot économe. Non, même mélanger avec le mot gérant. En général, dans le créole, nous disons gérant, tout nous pensons que c'est un monde qui a fait un vieux travail. Mais, gérant économe. Donc, son gros position que nous y est devant bon Dieu. Bon Dieu possède toute bagaille, mais grand pile bagaille qui sous compte nous, qui n'en met nous. Mais nous pas qu'à considérer tête nous comme propriétaire, nous besoin considérer tête nous comme gérant économe. Si parce que bon Dieu t'a créé toute bagaille, c'est lui qui propriétaire toute bagaille, qui j'en pour nous comprendre rôle pas nous, eh bien, nous c'est gérant économe. On va nous exemple. On dit que un jeune garçon qui a annoncé le fait que je viens au travail. Et puis après ça, il fait que je viens au travail là, où elles sont machines tout neuf, avec une dame grand monde qui ont tenu professionnelle, qui chita devant bon côté chaque matin. Qui laisse pour les machines là? Jeune homme, non? Mais pour qui est-ce machine là? Sans doute, ce n'est pas pour le jeune homme, non? Peut-être c'est pour la dame. Un deuxième exemple. Un jeune garçon qui a 3 ans au travail et puis il travaille à payer le bien. Et puis il fait un milieu qu'on est, l'assemblée économie pour lui acheter une belle machine. Après ça, chaque matin, où elle passait, pour compte lui, il prend le travail. Qui est-ce qui a pour les machines? Jeune garçon. Hein? Pour qui est-ce la machine? Ou tu as dit, c'est pour les machines. Mais tu as besoin de garder papier machine pour confirmer. Mais tout à part, c'est-à-dire, c'est pour lui que lui. Dans tous deux exemples, c'est un jeune garçon qui a conduit. Dans le premier exemple, il n'est pas propriétaire, il est chauffeur qui est responsable de conduire la machine. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une ressource dans la main qui fait ou c'est propriétaire. Et dans la question de ressources qui sont sous la terre, la Bible l'a dit nous, tout c'est pour bon Dieu. Mais nous, ouais, c'est moun qui a joué les ressources. C'est moun qui contrôle les ressources. C'est moun qui fait transaction avec les ressources. Nous, avons dit ressources, bien matériel, c'est pour moun qui possède. Nous avons dit en Haïti, jouissance vaut titre. Mais sa Bible a montré nous, c'est que vraiment vrai, c'est bon Dieu qui possède toute bagaille. J'en ai dit dans différents versets. Alors, même Jacques, jeune garçon qui est chauffeur pour une dame, nous même tout devant bon Dieu, nous c'est gérant pour toutes ressources qui mettent dans main. Nous tous ces gérants, il y a des gens qui connaissent ça, et puis il y a des gens qui peuvent reconnaître le rôle comme gérant par rapport à bon Dieu qui se met tout bagaille. Il y a une question pour nous le matin. Dans qui groupe vous êtes le matin? Moun qui connaît ce bon Dieu qui possède toute bagaille, reconnaît rôle pa yo, c'est rôle gérant économe pour ressources bon Dieu confié yo. Yon gérant économe, c'est yon moun qui a géré un bien pour yon propriétaire qui compte pas là. Dans Matthieu 25, Jésus racontait yon parabole côté un propriétaire, t'a pral fait un long voyage et puis il remet tout bien lio bay 3 serviteurs qui te doivent gérer bien comme économe. Dans Matthieu 24 verset 45 à 51, Jésus te baille yon l'autre parabole, côté yon serviteur te bien géré, et puis
dans un autre cas, serviteur a été abusé bien et puis il était abusé de travail que mettre la terre mettre lui pour le gérer bien. Un gérant économe là pour lui prendre soin des affaires mettre là selon volonté et selon valeurs et principes que mettre là mettait. Et dans responsabilité nous comme gérant économe, on a besoin de faire ressources multiplier. Comme gérant économe, on a besoin de dépenser ressources à yo dans activité qui important pour travail là. On a besoin tout aider pauvres, on a besoin tout soutenir l'église et comme gérant économe, on a besoin de faire réserve avec ressources yo. Et puis on a besoin de faire tout ça selon principe bon Dieu qui met toute bagaille là lui-même lui établit. Si mettre la Dieu serré, ça pour faire serré. Si mettre la Dieu fait cadeau, ça pour faire c'est faire cadeau, c'est gérer économe nouyer pour ressources que bon Dieu mettait dans main. Dans Psaume 24 verset 3, psalmiste l'a continué. Il finit de dire que toute bagaille c'est pour bon Dieu. Avec une implication, c'est que, et il fait nous connaître que ça fait, c'est pour bon Dieu, parce que bon Dieu crée toute bagaille. Et puis là, nous regardons qui roule par nous, nous venons voir que bon, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gérants économes. Et puis dans verset 3, il y a une question. Somme 24, verset 3, il y a une question, et la fin de déclarer ça, et puis il pose une question, il dit qui moun qui doit monter sous mon qui pour Seigneur? Qui moun li quitte entrer dans la caille qui n'a pas? Avant pile fois nous réciter somme ça et puis nous pas prendre temps pour réfléchir mais qui relation verset 3 gagne avec verset 1er et question apparaît deux fois tout et ça c'est Mac Fabrique poésie langue hébreu côté où gagne en première ligne et pour une deuxième ligne qui pratiquement dit même bagaille là et monde qui gagne droit c'est pas peut-être l'idée d'il monter sous moi non monde qui gagne droit c'est pas parce que il voulait ça peut-être pas. L'elle dit le gain droit, c'est qu'il est ce qui gagne privilège parce que c'est maître là qui quitte l'entrée. Donc, nous avons compris une question à demander qui laisse bon Dieu accepter pour chez beaucoup de qui laisse bon Dieu approuver comme monde qui fait que lui content. Et puisque bon Dieu c'est propriétaire, monde l'a pas accepté, au moins, faut que lui reconnaître c'est bon Dieu qui met. Toute bagaille. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, et il rappelle nous qui ça la foi. Chaque chapitre 11, la Bible dit dans verset 3, c'est parce que nous avons confiance, nous avons la foi dans mon Dieu qui fait nous comprendre ces paroles, mon Dieu, qui crée toute bagaille. Okay? Donc c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Comment nous faisons comme ça? Par la foi. Et puis Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, mais sans la foi, il y a un monde pas capable de faire bon Dieu plaisir. Parce que yon moun ka poche côté bon Dieu, faut qu'il croie que bon Dieu existait et faut qu'il croie bon Dieu récompenser moun ka chache Dieu. Donc moun bon Dieu accepter monter bon côté sauf 24 là pour entrer dans côté qui sacré pour lui a, c'est moun qui croit que c'est bon Dieu qui créateur. Donc c'est lui qui possédait toute bagaille dans le monde entier. Et yon moun kon sa reconnaître wòl li devant bon Dieu, c'est wòl yon gérant économe. Et c'est pas seulement dans bouche li dit ça, et pas seulement sous papier que li dit ça, mais li montre l'action, li montre li nan pensée. Somme 24 continue dans verset 4 là côté, li mentionne quatre aspects dans la vie yon bon gérant économe qui gen privilège pour rentrer côté bon Dieu. Il dit c'est moun qui pas fait rien qui mal, c'est moun qui pas gen mauvaise idée dans tête yo, c'est moun qui pas nan bay menti, c'est moun qui pas nan fait serment pour tromper moun. On nous garde quatre bagay sa yo. Nan français il parlait de moun qui gen main innocent. Et moun qui gen main innocent par rapport à moun qui gen main yo trempé dans sang. Moun qui fait violence sou moun. Donc au moun que bon Dieu accueille, c'est moun qui pas fait violence sou moun. Surtout, il pas fait violence pour faire cob, il pas tuer moun, il pas railler moun pour être cob. Deuxième bagaille, il dit c'est moun qui gen cœur qui propre. Et cœur c'est pas sentiment que lié, c'est cette personnalité, c'est la l'idée ou yé. Donc c'est moun qui pas planifier mauvais actes
qui pas rentrer dans mauvaise combinaison, qui pas faire complot pour écraser l'autre peut-être l'argent. Puis troisièmement, il dit c'est monde qui pas dans bail menti ou bien qui pas lagué nom ni dans vanité. Et c'est l'autre traduction et vanité dans Bible là, en fait fois c'est parler de idoles qui pas vaut rien. Bon Dieu c'est pas d'aller parler de bon Dieu vivant et vrai par opposition à idoles qui c'est vanité. Et un monde qui pas dans vanité, qui pas dans service idole, c'est qualité monde ça que vous avez, parce que quelqu'un monde pour le cas riche, l'a fait n'importe qui bagaille et même il ca vendre nom ni by job ou bien pour la chercher point caille bon corps. Et bon Dieu dit c'est pas monde ça qui capable rentrer bon côté. Et puis il dit qu'il pas lagué bouche lui n'en fait serment pour tromper monde. By parole pour capable faire un coup son lot pour $2. Alors, en pile fois, nous pensons que l'église, la vie chrétienne, c'est venu dimanche matin, bien bordé, et puis nous loué, 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 amen, amen, amen. C'est à bon tout. Ou bien c'est venu dans le service prière, et puis bien en jeûne, etc. Tout ça est au bon tout. Mais pas ça seulement. Parce que dans Somme 24, là, bon Dieu va dire, est-ce que tu es passé en pile temps à adorer? Il va dire, est-ce que tu es passé en pile temps dans le jeûne? Il dit, c'est monde qui gagne main innocent, c'est monde qui gagne cœur propre, c'est monde qui pas la gueule bouche non tromper monde. Et m'a encouragé nous pour nous qualité serviteur fidèle comme ça devant mon Dieu. Pour nous des gérants économes fidèles comme ça devant Seigneur. Et on nous fait effort ça pour nous ces qualités monde bon Dieu voulait accueillir dans salon la caille. Alors gagne monde pour sortir de sous la vie, ou pas vouloir entrer dans la barrière de la caillou. Et pour les ailes, ou parler avec eux devant la barrière, ou bien si c'est dans l'appartement, ou ouvrir un porte là et vous quitter chaîne dans la donne. Parce que ce n'est pas des mounes qu'on a remis bon côté. Et puis, il y a des autres mounes, ou à le recevoir ou depuis en bas. Et pour avoir un bel accueil. Ou mener dans le salon pour nous passer un bon moment ensemble. Et Bible a présenté Jésus qui a cherché les gens qui voulaient marcher avec lui. Et puis il dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque nous reconnaître que bon Dieu propriétaire toute bagaille, ça fait que nous-mêmes nous pas propriétaires, nous c'est seulement gérant économe, mais une façon que gérant économe nous vive. Et tout est fois ça que l'affaire, c'est parce que quelque part, ils ont assurance, même j'en dis dans Hébreux chapitre 11 là, que bon Dieu a récompensé monde. Bon Dieu récompensé économe qui est fidèle devant bon Dieu. Pour qu'il soit un serviteur, bon Dieu comporte différemment par rapport à l'autre monde dans la société à cap bien mené. Parce que le connaît comme gérant économe, il vient pour lui rendre compte par bon Dieu qui va récompenser le monde qui est fidèle. Dans Barnabas Centre de leadership chrétien, nous avons un ministère côté nous appeler encourager l'entrepreneuriat dans l'église. Bon, faut une petite parenthèse pour dire que nous connaissons que Haïti est un pays pauvre. Et ça, il dit, pas vrai? Il y a un pile signe de pauvreté tout. Mais j'en combat la pauvreté, c'est créer richesse pour créer. Et une façon pour créer richesse, c'est le monde qui a fait entrepreneuriat, le monde qui a ouvert business. Mais en plus, le monde fait comme si, en plus, là, il sait que talent pour faire. Par exemple, nous avons des madame Sarah qui en Chine et retourne avec conteneur. Donc, son talent pour traverser tout le pays, pour changer avec toutes différentes monnaies, il est fini pour venir faire comme en Haïti. Son bon bagage. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Qui j'en pour faire, donc il y a un enseignement qui baille pour ça. Il y a une bagaille que nous enseignons tout par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que nous faisons différence entre fruit bonne gérance avec récompense pour bonne gérance. Par exemple, profit, l'homme qui fait bénéfice dans le business, et tout le monde qui fait business, c'est pour bénéfice là qui fait tout, mais profit, c'est fruit bonne gérance. Et pour faire bonne gérance là bien, donc, pour gérer ou administrer, ou supposer faire profit.
c'est pas récompense que ni. Bin, profit qu'on fait là, c'est pas premièrement pour bête business la manger li, au contraire, c'est pour les faire réserve et puis pour les réinvestir dans le business là. Mais récompense pour bonne gérance, c'est approbation Seigneur qui dit bon et fidèle serviteur. Récompense pour bonne gérance, c'est promotion, c'est plus responsabilité que mettre la barre. Et dans Somme 24, Paul l'a déclaré, Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu qui a délivré la va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur, qui pour chercher paraître devant bon Dieu Jacob là. Alors non, son l'autre sermon qui pourta vraiment détailler toute récompense qui gagne les gérants économes fidèles. Déjà nous il y a besoin accueil bon côté bon Dieu qui va dire bon et fidèle serviteur, entrer dans la joie, mais tout gain bénédiction à grâce qui vient comme promotion, comme augmentation bien matérielle, comme dignité. David te dit dans Somme 23, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est récompense qui gagne lorsque yon moun ou son gérant économe fidèle devant bon Dieu. Gen moun ki pe pou yo ta kite poch yo ak chekye yo konverti. Gen moun ki profite fè diskisyon sou kesyon eske moun bezwen bay la dim. Gen moun ki jwenn tout kalite eskyz pou yo pa montre jenerozite pou lèv bon Dieu. E nou te ka répondre pour montrer qui j'en gain bénédiction les moun bay nous t'ai qu'à démontrer qui j'en Bible a parlé de la dîme dans la loi Moïse là comme un principe qui pas seulement pour Israël mais c'est pas ça qui fait nous un bon gérant économe. Ça prend fort un bon gérant économe, c'est une attitude qui sorti dans fond cœur. Ça mandé pour remer bon Dieu à tout cœur. Ça m'a demandé pour faire créateur confiance. Et puis laisse ça, pour être à l'aise pour faire louange, bon Dieu, comme roi tout roi et chef tout chef. Comme bon Dieu créateur qui l'ouvre meni pour lui bénir tout le monde. Et l'orgue attitude, ça, vous capable de dire, même Jean avec auteur dans psaume 24, où est-il l'interprétation? L'ouvri battant porte yo grand l'ouvri pour voir qui gagne pouvoir ka rentrer. Verset 10. Qui laisse qui voit qui gagne pouvoir? C'est Seigneur qui chef la maison jo, c'est lui-même qui voit qui gagne pouvoir. Si cœur on ti jan serré pour faire largesse avec ressources qui nan men ou, repensez qui laisse bon Dieu y pour. Et puis prend habitude même j'ai avec psalmiste là, balé louange. Prends habitude chanter gloire li à tout cœur. Prends habitude méditer sur qui Jean li grand et puissant, qui Jean li pas besoin en rien dans men nous, qui Jean s'il t'a besoin bagay li pas t'a jamais besoin mande nous. Et puis m'espérer ça va changer attitude nous. Ça va l'ouvrir battant porte cœur ou et m'a encourager ou quitter bon Dieu prend place li sous trône la vie. Reconnaître place légitime li gagne comme propriétaire tout bagay et puis on va prendre rôle comme gérant économe fidèle. Mais pas faire mettre dame avec bon Dieu. Frères et bien-aimés, m'a rappelé nous qui Jean Somme 24 verset 1 déclaré toute ressource qui sous la terre c'est pour bon Dieu. Et voilà te gagne un habitant dehors qui te gagne deux petits bœufs la garder. Il te apprend, c'est pour honorer bon Dieu avec ça, il gagne. Et puis il dit, il a engraissé des petits bœufs, et puis il parle vendre dans le marché, et puis il a fait un bel petit profit. Et puis il dit tout, une petite bœuf, c'est pour bon Dieu. Et puis comme ça, des petits bœufs ont grandi, bien grandi, et puis il a engraissé. Et puis un jour, malheureusement, une grand petit bœuf, il a mal écrivé, et puis le petit bœuf a mouru dans la corde. Les habitants ont levé, et puis il a changé de bête, il a réalisé que le bœuf a mouru. Il met deux mains dans la tête et puis il dit, ah oui, petit bœuf, bon Dieu, a mouru. Ça, c'est un monde qui te voulait faire intelligent
avec bagay, bon Dieu. On n'a pas essayé de faire plan sur question bon gérance ressources nous comme chrétiens. Au contraire, on nous reconnaît c'est bon Dieu qui est propriétaire parce que c'est lui qui crée toute bagay. On nous songe rôle nous c'est gérant économe qui supposé fidèle pour nous travailler et puis dépenser et puis faire cadeau dans ressources nous selon volonté et selon valeur avec principe que bon Dieu lui-même l'a établi. Et n'a pas songé gain bénédiction pour gérant économe fidèle ce qui permet d'âme. Mais surtout on nous travaille sur attitude nous, sur disposition que nous pour nous apprendre à faire louange pour bon Dieu qui c'est créateur. Si nous parer pour nous adorer avec tout cœur nous n'a pas prendre apprécier présence bon Dieu et puis n'a découvrir qui j'ai investi dans royaume bon Dieu, c'est un grand privilège. M'a pas fini avec une prière que David t'a fait. Roi David t'a un gros projet, il t'a choisi faire pour gloire bon Dieu. Il t'a qu'à ouais dépenser à gros. Parce que son temple qu'il te voulait bâtir. Mais bon Dieu dit, pas ou même qu'a bâti, mais Salomon, petit toi a bâti. Mais David dit, ok, m'a qu'a bâti, m'a qu'on aime, m'a dans la vie, mais m'a rassemblé bagaille pour lui. Et puis effectivement, ils font un gros levé de fond. Et puis, commencer à rassembler bagaille. Nous jouons une histoire ça dans 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, commencer dans verset 10. Laisse ça, David fait louange, bon Dieu, devant tout le peuple là qui était réuni, il dit comme ça. Louange pour vous, Seigneur, bon Dieu Israël, papa nous. Et puis, depuis tout le temps, et pour tout le temps. Seigneur, vous avez pouvoir, vous avez courage. C'est pour vous toute louange. Vous avez dominé sur toute bagaille, pour tout le temps. Tout ça qui est dans le ciel là, et tout ça sous la terre, c'est pour vous, Yoye. C'est vous-même, Seigneur, qui seul roi, parce que vous seul chef sous toute bagaille. C'est dans mes mains, toute richesse et tout bien sorti. Ou gouverner toute bagaille avec force pour y être tout avec pouvoir. C'est ou même qui baille tout le monde pouvoir avec force. Kounye a bon Dieu nous disons merci. N'a fait louange pour si tellement ou gen pouvoir. Mais qui ça mieux? Qui ça peuple ou yé même pour m'ta capable offrir tout bagaille ça yo avec tout cœur nous? C'est nan men ou tout bagaille ça yo sorti. C'est nan ça nous recevoir nan men ou. Nabao. Seigneur, ou konnen devant ou c'est passé n'a passé tant qu'ou moun k'ap visiter même gens ak tout ansèt nou yo. La vie nous sous la tête tant qu'un nuage k'ap passé, wè pa wè fòk nou mouri. Seigneur bon Dieu nous pare toute richesse sa yo pour bâtir yon kay pou ou même ki yon bon Dieu a pa. Mais c'est nan men ou yo tout soti. C'est pour ou yo tout yé. Yeah. Moi connais bon Dieu moi ou sonder que tout le monde ou content avec monde qui marche droite c'est peut-être ça avec tout cœur moi offrir ou toute bagaille ça yo kounye am moi ouais Jean peuple qui semblait ici là content pour yo porter offrande pa yo pour tout avec tout cœur Seigneur met bon Dieu Abraham bon Dieu Isaac et bon Dieu Israël bon Dieu ancêtre nous yo tant prie fais peuple wa pas jamais perdu bon sentiment ça yo qui n'a cœur yo jodi a. Ça c'était prière roi David dans 1 Chronique chapitre 29. M'a souhaité nous toutes nous river dans dimension David qui était ouais pas rien qui doit empêcher lui faire louange créateur avec ressources matérielles bon Dieu lui-même il t'a metté dans main. Question encore, dans qui catégorie croyant que ou y est? Ça yo qui connaît yo ces gérant économe devant bon Dieu ou bien ça yo qui poko décider pour poche yo? Converti. Choisis bien. Honorez bon Dieu tout bon. Et puis il va accueillir au sous-monde qui appartient pour lui. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. 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 Moi, j'étais un petit peu stupéfait pendant que j'attendais ce message-là pour une raison spéciale. Je dis que le leadership de l'Église a été réuni hier soir pour la prière, comme nous avons la prière chaque premier samedi. Et dans la réunion, ça,
nous dit n'a font bagaille matin. Simone de Dieu après message là, pourquoi aller n'est pas pour me dire? M'bal vle dit là avant message. Mais Jean message la prêché a ou a dit que tu as gagné un Zoom meeting avec pasteur gentil pour le préparer. Terrain. Bon Dieu béni on l'église là. Moi même côté mi là. Peut-être présence cet esprit de Dieu que là dedans. Est-ce que bon Dieu a travaillé là dedans. Je dis bon Dieu merci en pile. Amen. Nous c'est gérants affaires bon Dieu. Et l'on gérer bien ça bon Dieu baoul béni on. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est une urgence que nous gagnons. L'Église a besoin pour semaine ça et l'autre semaine. On dit bon, comment ça s'est passé? On a demandé membre l'Église là pour aider nous à camper. Et puis quelqu'un dit ah, vous connaissez pas l'habitude non. L'autre côté qui habitué demander quoi, nous nous finis habitués à ça. Mais nous-mêmes nous pas habitués demander. Ni offrande David, ni Salomon, ni Ézéchiel. Ben, ça y est. Ou là avec moi? Mais, nous dit matin, n'a pas fait ça. Et bien, effectivement, le Seigneur prépare terrain. Pour le doux que, ça n'en même. Ou à gérer. Mais le pas pour. Amen. Nous, à la recherche de 200 monde, qui a fait nos cadeaux, comment on va commencer? $100. Nous avons dit qu'on a besoin de 200 monde qui pour faire nos cadeaux. $100 dans la semaine, ça, ou bien qu'on y a matin, sont capables, ou bien sont capables de zeller. Pour que nous puissions faire ça, nous faire là. From the first born again, nous avons une dimension qui est extraordinaire. Il y a des gens qui ont pleuvé, mais nous avons demandé à Diakio d'aider nous parce que nous sentons que le Seigneur voulait que ça fête. Si c'est non, même si vous avez plus de écrit non, vous remettez à Diakla, ou bien Diakla capable de vous lever, écrit non. Parce que nous arrivons au niveau que nous avons fait là pour le monde entier touché par lui-même. Il y a l'évangile qui prêche là. Qu'elle me fait mal, elle me connaît que chrétien qui pas attendu. Je me sens que c'est tout côté que mon gars servi bon Dieu qui t'a supposé tendre l'évangile ça. Donc on met levé main, il y a des monde qui a passé pour nous tout de suite parce que nous obligé à faire là avec tout gonne gounia parce que nous sûr certain le ciel entrer là-dedans. Ou ca bailler $100 ou hop. Ou souffle bay plus, ça va. Mais, nous t'avons un minimum, non. Et ça, mettez, et prenez, non. Souguez, sous là, ou ka mettez l'enveloppe pour te deviner, parce que, et pas oublier, c'est vite à nous. Tout ça, bon, doit faire, lui mettez l'enveloppe. Si l'amour, mais si c'est zéro, fait là, ou ka fait zéro là, sous first born again at yahoo.fr, mais mettez un petit message qui gagne non là-dedans pour nous, à la gloire de Dieu. Souguez, téléphone, ou ka fait zéro là. Ou mettre Fezel là sous firstbornagain@yahoo.fr. Et moi-même senti que le ciel t'a d'accord, mais Frère Becker a dit mettre noni. Non, et bien, pas nommer Frère Becker pour nous. Je t'ai aimé que Osher, il ne fait ça, tant pis. Il ne fait ça. Gloire à Dieu. Il ne fait ça. Pendant que ou même qui voulait faire fait qu'on y a là, ou bien si nous avons pleuvé, ou bien est-ce que c'est si c'est enveloppe ou besoin, levez-moi, et bien il y a bon enveloppe là tout de suite. Mais nous avons besoin de 200 personnes, nous sommes capables de faire minimum $100 pour nous faire ça, nous avons besoin de faire dans la semaine, ça, là, qui a venu à la gloire de Dieu. Si tu as une impossibilité pour matin, on voulait faire l'hôpital, on voulait faire demain soir dans le 911, pas de problème. Mais nous avons tout respect à un bon Dieu qui est grand, qui est extraordinaire. Amen. Nous avons demandé à ce brutal et ce Sarah, parlez sans barouem, s'il vous plaît. Donc,
Fais ça pour nous, fais ça pour nous, pour la gloire de Dieu. Ou même qui la caille ou qui a gardé nous, ou même qui bénit, ou même qui habitué béni par chaîne ça, ou capable de faire ça, ou qui a fait zèle, prend téléphone nous, ou qui a zèle les sous, firstbornagain@yahoo.fr, ou même faire ça tout de suite, ou du moins, ou capable de faire un chèque, adresser la First Born Again Baptist Church qui est dans 15395, notre Miami Avenue, Miami, Florida, 33169. 33169. Pour qu'à repasser vidéo pour sous taper un chiffre pour qu'à faire ça à la gloire de Dieu. Vous mettez-le pour nous, faire ça pour nous, faire ça pour nous qu'on y a à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous mettez pas le téléphone, vous faites-le pour la gloire de Dieu. Moi, je garantis, et pas un seul. Mon Dieu m'a mérité beaucoup plus que ça. Et donc, nous merci de ce que. Ou d'accord participer dans ça, bon Dieu a fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et sans pas sous bluff, demandez bon Dieu, quel que soit sobe là, pour le multiplier le pas centaine, pour le retourner le bas au nom de Jésus. Prends téléphone pour me faire zèle pas maintenant. Gloire à Dieu. N'observe mon Dieu tellement grand, qui est extraordinaire. Je m'habitue à nous ici, là. J'en prends mon Dieu, c'est qu'on l'observe avec. Si vous prenez le bout grand, vous prenez le bout extraordinaire, vous prenez le bout tout ça lié pour vous, ouais, tout ça, mon Dieu, qu'a fait. Gloire à Dieu. Je songe, je me dis, Timon Moyo, si pour me compte une belle machine, c'est pendant beaucoup d'intérêt dans la pour me faire. Mais laissez mon gars mener tout côté me braler si mon belle machine là, ça va utilement hein. C'est mon gars pour les machines, pour aller poser machine dans épaule. Et pas ça. En plus mon a pour les belles machines, mais machine n'a pas pour yo. C'est chauffeur oui. Et me senti pour bagaille la tête nous tous ces chauffeurs. Gloire à Dieu. On nous fait ça avant qu'on prie. À la gloire de Dieu, merci en pile à Saint-Esprit d'abord. Et merci tout à Pasteur Gentil qui te mette disponible pour le Seigneur. Capable de joindre pour faire ça, qu'a fait la matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ou même qui en like qui la caillou, ou ça sur écran, ou capable de faire. Ou capable de faire. À la gloire de Dieu. Et il faut bien dire qu'il y a un téléphone dans la main ensemble pour le garder, pour chaque fois le téléphone a fait clin pour le garder qui zèle qui tombe là-dedans. Oui, on met Feli, on met Feli, on met Feli. À la belle bagarre. Nous sommes un serviteur qui dit si bon Dieu vient en personne, ni camper dans l'église en costume, solé là, mon cher, bon Dieu t'a fait une belle offrande, oui. Mais nous ne pas quoi. C'est ça, yo, ouais, yo, quoi. Mais matin, vous m'avez fait ça avec toute force. Avec tout vous-même. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On met avancer, déposer l'enveloppe là, ou même qui dégage l'enveloppe là dans la main. On met avancer, faire ça à côté positivement. Est-ce que vous pouvez accompagner là? Faites de l'enchant pour moi pendant que vous n'avez pas avancé. Faites ça à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Micro positif. Mon Dieu qu'a fait tout bagaille pour moi. Mon Dieu qu'a fait tout bagaille.
Dieu qu'a fait tout bagaille. Gloire à Jésus. Tout bagaille. Tout bagaille. Bon Dieu qu'a fait tout bagaille. Non. Elle a fait, bon Dieu qu'a fait, tout bagaille pour moi. Frère Assius, est-ce qu'on a dit frère que je suis à côté là, mais je vais faire après. Il y a à côté là, sous même blanc. Yes. En moins de 2 minutes seulement. 2 minutes seulement après. Bénédiction à la gloire de Dieu. On va bailler non après, on va faire bailler non après, on a terminé, et même qui voulait bailler non toujours, et Jack a toujours la bailler non à la gloire de Dieu, une bave de rite et trois. On a campé pour nous capter ça. On a pris chanter même chant encore à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bon Dieu, cap fait tout bagaille, tout bagaille. Gloire à Jésus. Bon Dieu qu'a fait tout bagaille pour moi. Il c'est Alpha, il c'est Alpha, l'Oméga, l'Oméga, le commencement et la fin. One more time, mon Dieu qu'a fait. Mon Dieu qu'a fait. Tout bagaille. Tout bagaille. Tout bagaille. Tout bagaille. Tout bagaille. Tout bagaille. Mon Dieu qu'a fait. Tout bagaille. Pour moi. Lise Alpha. Lise Alpha. L'Oméga. Les Jack Tadgren dans la prière finale. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous réaliser qu'on a fait toute bagaille. Et on dit nous dans la parole au matin que nous sommes gérants économes de ça que vous confiez nous. Matin, Seigneur, permette que parole ça traverse la vie nous. Et permette parole ça, Seigneur, fait que nous capables moins réticents ensemble avec ça que nous nous. Pour que l'église nous marche. Pour que le monde que nous rencontrons dans la vie nous, Seigneur, nous capables bénir à travers ça que nous gagnons. Pour que, Seigneur, côté nous passer, nous capables d'être source de bénédiction. Pour tout le monde que nous sommes capables de rencontrer. Oui, Seigneur, permettre que nous sommes capables, premièrement, suivre l'exemple. Côté où tu es passé, Seigneur, le monde t'es béni. Côté où tu es passé, le monde t'es guéri. Côté où tu es passé, Seigneur, le monde qui t'es en désespéré, il t'es joué une satisfaction, Seigneur. Permettre que, Seigneur, nous sommes capables de suivre l'exemple, ça. Pour que les gens nous rencontrent ensemble avec nous, Seigneur. Yo capable de réaliser que vous avez rencontré ensemble avec un petit bon Dieu. Oui, papa, nous disons merci. Merci pour matinée, ça que vous permettez que nous passions ensemble. Dans la présence, nous vraiment senti que la présence était là matin. Nous vraiment senti que l'atmosphère, là, Seigneur, l'était une atmosphère côté où même tu descends et où tu établis trop nous dans l'assemblée, ça. Papa, nous disons merci. Merci, Seigneur, pour l'assemblée, ça que tu mets nous. Et merci, Seigneur,
pour tout le monde qui t'attend de nous à travers les réseaux sociaux. Permettre que Seigneur, ça que yo t'étendé, il est capable en bénédiction pour eux. Ça que il t'étendé, Seigneur, capable font transformation dans la vie pour que Jean yo t'ait yo pas yo Jean yo t'ait avant, yo pas comme ça encore. Parce que yo t'ai non yo pas t'attendé un monde qui t'ai parlé ensemble avec eux, mais yo t'ai capable mais yo t'étendé parole qui t'est sortie directement de vous-même. Oui, Seigneur, nous disons merci. Merci pour toute grâce et pour toute miséricorde, Seigneur. Et permettre que pendant la semaine, ça nous accompagne. Nous sommes capables de plus près. Nous sommes capables de plus près toujours. Nous sommes capables de faire volonté. Et nous sommes capables d'éloigner nous de toute bagaille qui n'est pas fort content. Oui, Seigneur, nous disons merci pour grâce. Accompagnez-nous. Dirigez-nous. C'est dans nos précieux petits Jésus, nous prions. À lui la gloire, l'honneur, la magnificence, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, même Jean Paul l'a dit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En tant que gestionnaire, en tant que gérant économe, au nom de First Born Again, nous vous souhaitons un bon dimanche et bonne semaine. Que vous soyez couverts par la faveur de Dieu, comme nos enfants viennent de déclarer. Et écoutons maintenant notre pasteur dans la bénédiction à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur ces paroles, je déclare béni les enfants de Dieu, que vous soyez protégés par la toute-puissance de Dieu, non seulement pour ce jour-là, mais chaque jour jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, bien-aimé.